Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans cet épisode 29 de Coin du Blu-ray. Épisode 29 qui est donc consacré à la lettre N maintenant. Et je dois avouer que la lettre N, j'ai pas grand-chose dans la lettre N. Enfin, après, je vais pas vous mentir, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans les épisodes qu'il y a certaines lettres où j'ai vraiment très peu de place. Et il y a même des lettres carrément où, franchement, je pense que j'aurais pas grand-chose à vous proposer. Mais par contre, tout ce qui est lettre S, lettre T, lettre P, lettre B, lettre A, alors ça, j'en ai plein. Mais alors la lettre N, j'avais hésité à parler de Nerve. Mais Nerve, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne et je trouve que c'est un film qui est pas si mal, mais il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter grand-chose. Donc du coup, on va à nouveau s'attaquer à John Carpenter. Parce que oui, j'ai encore décidé de parler de John Carpenter dans cette émission, et je pense qu'un jour il faudra vraiment que je fasse une émission sur lui, parce que vu comment j'arrête pas d'en parler, je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on parle donc de New York 1997, donc sorti en 81 de John Carpenter. L'histoire, c'est très simple. Manhattan a été décrété comme zone martiale, donc du coup, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Et en fait, un de ces quatre, il y a le président qui va s'écraser là-bas. Et on va demander à un certain Snake Plissken d'aller le secourir. Alors déjà, je pense que les quelques personnes qui sont un peu fans de jeux vidéo savent pertinemment ce que je vais évoquer, mais bon, je le dis pour les autres. Oui, Snake Plissken, c'est l'antécédent ou le précédent ou le papa de Solid Snake, de la saga Metal Gear Solid. Parce que clairement, à partir du moment où les mecs partagent le mot Snake dans leur titre de personnage et ont tous les deux un cache-œil, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour vous faire comprendre que clairement, Hideo Kojima, il aime bien John Carpenter. Et je crois que John Carpenter aime beaucoup Hideo Kojima en retour. New York 1997, c'est un des premier film de John Carpenter que j'ai eu l'occasion de découvrir. Je l'ai un peu découvert par hasard, mais en fait, c'est un pote qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je le regarde parce que c'était visiblement une œuvre fondatrice du cinéma de SF moderne et que c'était surtout un film extrêmement cool, extrêmement fun et très très bien foutu. Et je dois avouer que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout été déçu et j'ai eu exactement ça. C'est-à-dire que vraiment, New York 1997 est un pur trip, assez jouissif. Mis en scène par un John Carpenter qui est complètement libéré de pas mal de carcans hollywoodiens dans lesquels il avait été enfermé dans les années 70, et qui s'éclate, qui vraiment s'éclate pour mettre en scène un film que je trouve extrêmement ludique, extrêmement bien foutu, extrêmement entraînant et assez jouissif en fait, tout simplement. C'est vraiment un film qui a un petit côté délire d'actionneur, de série B un peu décomplexé, mais qui fonctionne super bien. On sent que c'est l'espèce d'anti Air Force One ou les films comme ça, où soit le président va se sauver lui-même, soit on va devoir sauver le président. Et on sent que là, il y a ce petit côté un peu complètement déjanté par ce concept justement de prison à ciel ouvert, où on a construit littéralement un mur autour de l'île de Manhattan. Moi, je trouve ce concept assez génial, mais finalement, c'est un peu nanardesque sur les bords. Mais je trouve qu'entre les mains de John Carpenter, il y a une vraie efficacité et surtout une vraie sauce underground. Je veux dire que il y a beaucoup des films de Carpenter qui font underground. Regardez Invasion Los Angeles, ça fait underground, mais pas trop. Il y a quand même ce côté en pleine ville, etc. Là, dans l'ambiance, dans les traits des personnages, dans la caractérisation de certains, dans les lieux, dans ce petit cachet qui se dégage de l'œuvre, il y a vraiment ce côté underground qui est complètement assumé et qui rend super bien et que je trouve assez génial en fait à regarder. Et ça donne tout son cachet à l'œuvre. Et l'œuvre de Carpenter également est marquée par la puissance de la bande originale qu'il compose et qui emporte le long métrage vers des sommets, littéralement, je trouve, par de nombreux aspects et par de nombreuses scènes. Au-delà de ça, il y a des vrais moments de bravoure dans ce film. Je trouve qu'il y a des séquences qui sont absolument géniales et qui sont absolument extraordinaires à regarder, et qui sont des vrais modèles de mise en scène, finalement, avec peu de moyens. Et je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Et bordel, il y a Kurt Russell. Et Kurt Russell dans ce film, mais il est charismatique comme c'est pas permis. Je veux dire, c'est le seul homme qui est capable de porter la coupe mi-longue avec autant de classe, avec un cache-œil, quoi. Et tout le long du film, c'est comme ça. Et il est imposant, mais c'est absolument dingue. Et je pense que c'est vraiment la figure du personnage carpenteresque par excellence. C'est-à-dire un mec un peu bodybuildé, en marcel, qui se balade dans la ville comme si. Voilà, comme si il fallait changer de trottoir lorsqu'on le voyait arriver avec un gun et qui est monolithique comme c'est pas permis, c'est la figure carpenteresque du super-héros.
C'est le super-héros selon John Carpenter. Et je trouve qu'il a cette vraie puissance, ce vrai charisme et cette vraie dynamique qui fonctionne du feu de Dieu. Et tout le film est pétri d'une ambiance qui, je trouve, fonctionne du feu de Dieu, emportée par des acteurs tous excellents. Je ne vais pas prendre la peine de tous les citer, mais allez voir la fiche sur IMDb ou sur Allociné. Tous les acteurs de ce film sont géniaux, se donnent à fond pour leur perso et sont extraordinaires. C'est vraiment un pur objet fascinant. Je dois avouer que Los Angeles, c'est Los Angeles 2000... Oh, je sais plus. Oh, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est Los Angeles 2013 ou un truc comme ça, je crois. Si je me plante pas, c'est ça. Je trouve que Los Angeles 2013 est beaucoup moins réussi. Je trouve qu'il manque quelque chose, mais il y avait une envie. Il y avait une envie qui se concrétise en partie, mais qui, je trouve, a pas la vibe de New York 1997 et qui, je trouve, fonctionne pas hyper bien. Mais c'est une des rares suites où je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil, rien que pour le fait que John Carpenter arrive quand même à emmener le projet dans une direction plutôt intéressante. Après, il manque un truc. Il manque clairement un truc. Il manque la force et la puissance qu'avait New York 1997. Mais voilà, ça se tient quand même. Mais c'est pas la plus grande suite possible et imaginable dans le genre. Mais en tout cas, par contre, New York 1997, matez-le. Sans hésitation, vous allez passer un super moment devant. Si vous voulez même, matez-le un peu en soirée, légèrement beurré avec des potes. Vous allez encore plus vous éclater devant New York 1997, vu les punchlines que balance le personnage de Kurt Russell dedans. C'est juste à mourir de rire. Mais en tout cas, ouais, New York 1997 de John Carpenter, c'est à mater, sans abus. Il n'y a pas d'abus devant ce film, de toute façon. Ainsi s'achève cet épisode 29 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois et toujours, à me mettre dans les commentaires quel est votre film préféré de John Carpenter. Et surtout, si vous préférez New York 1997 ou Los Angeles 2013. Parce que je sais qu'il y a un vrai débat autour de ça et qu'il y a des gens qui préfèrent Los Angeles et d'autres qui préfèrent New York. Moi, c'est New York. À vous de me dire dans les commentaires si vous préférez Los Angeles. On verra bien qui gagnera. Et d'ici là, bah, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cache dans une jaquette de Blu-ray.